Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc, normalement, je suis tellement habitué à dire messieurs, dames, bonjour que je ne dis plus bienvenue sur la chaîne Dylan Gaming. Voilà. En fait, je fais totalement ce que je ne devrais pas faire. Alors, bienvenue sur la chaîne Dylan Gaming. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc, sur la 100e vidéo. Et oui, on en est déjà à 100 vidéos. Ça ne fait pas beaucoup. Mais ça va. Donc, on regarde la première vidéo de ma chaîne YouTube qui est New York. Rappelez-vous, c'était en je ne sais plus combien. Mais faut rappeler que ce jour-là, je savais pas du tout ce que je faisais. Je savais que je me lançais dans ma chaîne YouTube, mais alors ce que j'allais faire après, je ne savais pas du tout. Et en fait, on m'a conseillé de faire du gaming, et c'est là que j'ai fait du gaming. J'aurais dû me lancer dans du gaming direct, sauf que j'ai fait une vidéo de présentation qui s'appelle New York. Je ne sais pas pourquoi du tout, parce que la toile de fond derrière est New York. Voilà. Mais en tout cas, je ne savais pas ce que je faisais, j'avais même pas mis de pseudo. Et en fait, le pseudo, j'avais mis Dylan Messageon, et j'ai changé aujourd'hui. Là, je devais vous prendre vraiment pour des cons, parce qu'il y avait le titre. Donc en fait, je vous prenais vraiment pour des cons. Alors, vous avez vu, là, j'aurais pu faire la météo, j'aurais pu remplacer Louis Baudin, là, sur TF1, ça aurait fait pareil, en fait. Non, mais, en fait, voilà. Disons que NY, on le retrouve beaucoup sur les casquettes, mais sinon, pour dire New York, à part cet abrégé de NY, on dit New York, tout simplement. Alors ça, c'est la carte du Tour de France 2016, et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais j'ai voulu faire ça. Je sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là dans ma tête. Vraiment bizarre. Non, sans blague, on voit bien là que c'est marqué France. On voit pas que c'est marqué États-Unis, hein, bien sûr. Oh, l'anglais, vraiment super. Je suis vraiment très bon en anglais. Alors, ce nom est totalement pourri. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça dans cette vidéo de merde. Je sais pas, ce jour-là, je sais pas, j'avais envie, je sais pas quoi faire. J'avais envie de faire une vidéo YouTube et de me lancer dans ma chaîne YouTube. Je pense qu'il n'y avait que ça qui comptait ce jour-là. À tout à l'heure. À tout à l'heure, en fait, c'était une semaine après. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc, c'est une vidéo donc, de ma première chaîne YouTube pour la 100e vidéo. Et disons que ma chaîne YouTube a beaucoup changé. Hein. Disons que maintenant, on a 71 abonnés exactement. On va presque atteindre les 100 et c'est super. Cette première vidéo, ben, je l'ai faite pour essayer de me diriger vers une branche. Je ne savais pas trop laquelle. J'avais la branche vers ce qu'on pourrait dire les vidéos comme Squeezie, donc faire des vidéos sur les nouveaux jeux. J'avais la branche Cyprien, mais qui n'allait pas trop pour moi. J'avais la branche Norman, qui était peut-être mieux que Cyprien. Ben, j'ai choisi la voie Squeezie. Et je remercie ces youtubeurs qui travaillent et font des trucs de fou. Et franchement, nous, ça nous donne des idées. C'est vraiment très bien. Sans reprendre les vidéos que eux ont faites, on réussit à faire des vidéos très très bonnes. Et c'est super, quoi. C'est cool. J'ai connu YouTube, surtout Squeezie,
En début de, en après, à l'année prochaine, en l'année dernière, pardon, en 2015. Et franchement, ça m'a donné l'idée de devenir youtubeur. Et c'est eux qui te donnent l'envie de devenir youtubeur. Et c'est super. Merci à eux, merci à vous, abonnés YouTube. Si ça vous plaît, abonnez-vous, commentez cette vidéo et mettez un pouce bleu. Ça me fera extrêmement plaisir pour cette 100e vidéo. Ciao, bye bye.